When a black got us, then we gon' be all. Hello les gens, c'est Lozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Skywars, mais cette fois-ci nous ne sommes pas sur iPixel pour faire Skywars, nous sommes sur Funcraft, voilà le grand serveur du fun. Et apparemment du coup les Skywars sont pas mal, j'ai pas trop essayé. J'ai pas vraiment eu le temps de voir tout ça, j'ai vaguement joué il y a un peu de temps, mais maintenant je connais plus trop. De souvenir, il n'y a pas un level de ouf, c'est parfait, parce que là, il est à peu près 22h30, j'ai un bon gros DST, donc c'est-à-dire devoir surveiller deux maths demain, c'est-à-dire pour vous aujourd'hui, parce que je règle la veille, hein, c'est bien sympa. Mais bref, on va voir comment je peux me sortir un petit peu de ce bazar. On va essayer de peut-être pas trop perdre de temps en rec, histoire que je puisse quand même faire mon montage sans me coucher en tant que zombie professionnel ce soir. Donc voilà quoi, on va essayer de gérer tout ça. Mais bref, du coup, moi je vous retrouve une fois qu'on est en game de Skywars. De toute façon, c'est bien que ce soit pas une commu PVP de fou en Skywars, parce que... comment vous dire que, avec ce feu en plus magnifique sur moi, comment vous dire que ça fait très longtemps que j'ai pas PVP, ça doit faire bien une ou deux semaines que j'ai pas combattu, donc ça va poser un peu problème, je pense, un petit peu problème au niveau de ça, donc c'est nickel, je pense, si le level est pas ouf, et puis en tout cas, moi je vous retrouve une fois qu'on est in-game. Et re les gens, on se retrouve donc pour la première partie, je sais pas trop ce que ça va donner, on va espérer qu'on s'en sorte bien quand même. Mais bref, on va parler un petit peu de tout et de rien, j'ai envie de dire. On va parler un petit peu peut-être de ce fameux DST que j'ai demain. Du coup, pour vous, c'est aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit. Mais moi, je vais bien morfler pendant que vous regardez cette gentille vidéo, puisque j'ai un DST de maths que j'ai pas très bien révisé, disons. Pour ne pas dire absolument pas. Mais bref, je compatis pour ceux qui ont le bac blanc, donc déjà, voilà quoi, on va dire que c'est pas la fin du monde pour moi, à côté de ceux qui se mangent le bac blanc et qui n'ont pas trop révisé. Bref, pour vous expliquer ce que c'est un DST, en gros, à partir de la classe de la seconde, vous allez avoir une sorte de brevet sur une matière chaque semaine, donc pendant 2 heures ou 3 heures pour le français. C'est une grosse épreuve commune, donc où il y a toutes les classes qui vont le faire en même temps, bah, tout simplement pour éviter la triche et tout. Mais bref, comment dire, oula, par contre tu vas te casser, ouais. Donc je disais, ouais, il y aura toutes les classes de seconde donc, de mon lycée qui vont bien se réunir pour faire ce joli DST de maths. Tout simplement DST de maths, comment dire, que de temps en temps ça peut vous achever si vous voulez passer en S, ce qui est mon cas, en premier S bien sûr, je voulais dire. Donc va pas falloir que je me rate, je réviserai encore un petit peu ce soir je pense, même si j'ai pas vraiment révisé de base, mais bon, j'ai déjà look un petit peu mon cahier, tout de même je ne suis pas taré. Mais bref, on verra ce que ça peut donner. Moi en attendant, je vais descendre monsieur truc. Hop. Voilà, c'est super, ça dégage. Moins 2. Oui, c'est bon, bah, on s'en sort bien, on s'en sort très très bien. On va prendre ça, voilà. Donc du coup, je vous avoue que je suis un petit peu en mode panique pour ce truc, mais en même temps, je fais quand même une vidéo. Alors là, vous êtes en train de vous dire, what the fuck, qu'est-ce qui nous fait le Léo Zelec? Pourquoi tu passes pas plutôt ton temps à réviser? C'est juste que je tiens trop à vous, je vais pas vous laisser sans vidéo, ça fait déjà quelques jours que j'ai pas upload de vidéo. En plus, on peut parler de mon magnifique fail pour le speed art. Bah, j'ai gagné, c'est génial. Bah, je vous raconterai ce magnifique fail pour le speed art dans la deuxième game, donc je vous retrouve tout de suite. Ok, donc après cette victoire bien méritée, très dur combat, alors on a bien combattu contre les gens. Mais bref, je voulais vous parler de cette petite anecdote du speed art et du fail, parce que en fait de base mes speed art sont censés sortir mardi, et celui-là de speed art, donc pour Dragenix, je crois que c'était ça, il avait été publié déjà de base genre il y a quelques semaines, et en fait, de base il était censé sortir mardi, mais du coup, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis dit tiens, ça va être drôle, on va le mettre lundi. Du coup, bah, ça vous fait un gros trou pendant la semaine sans vidéo. C'est assez ennuyant, mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. J'espère que ça n'a pas dérangé trop de monde de ne pas voir de vidéo. Bon, ça m'étonnerait, de toute façon, ça va, c'est pas non plus un manque énorme de vidéos, puisqu'il y a pu avoir quoi, 2-3 jours sans vidéo. Même si de base, il y en aurait
dû que avoir un jour, du coup, le mercredi sans vidéo, là ça a dû faire 2 jours. C'est un peu con. Je me suis senti un peu con quand j'ai vu que quelqu'un m'avait dit sur Skype, genre GG pour ton nouveau speedart. Je me suis dit, quoi, non, mais c'est pas aujourd'hui en fait. Eh ben si, c'était aujourd'hui. Hein, on n'y peut rien. Bref, moi je vais faire un peu attention. J'ai une petite Apple, on va la manger. Voilà, nickel. Ici on a monsieur qui va rush monsieur, donc on va gentiment le œuf pour le dégoûter. Ensuite on va vite aller tuer monsieur cheveux truc bizarre. Hop, on prend l'armure, on attend que l'autre vienne, ce qui est le cas exactement. Bonjour monsieur Ifrelex, comment vas-tu? Ça va bien. J'ai eu de la chance de le taper au dernier moment où il a reculé, parce que sinon ça allait encore partir en fight pendant un siècle, puisque l'autre se serait barré avec ses gentils blocs. D'ailleurs, faut que je pense à hop, me mettre des blocs de côté, ce sera bien plus pratique pour moi. Hop, on continue. Alors, par contre, toi, je vais pas trop t'aimer, donc... oula, par contre, les rollbacks, on va s'en passer. Clairement... What? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, le génie! Le génie, ça franchement, c'est du talent. Balancer une enderpearl alors qu'on a moins de cœur ennemi, c'est du talent. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, j'ai ouvert OBS. Non, mais je suis fort pour me faire cette semaine, cherchez pas. J'ai un bon talent en ce moment pour tout cela. J'ai l'art du fail un petit peu, ça doit me venir de la famille, ça. De temps en temps, tout ce qui est un petit peu bête, ça m'arrive très très facilement. Bref. Où sont les derniers joueurs? On a Bigaro 66, truc. Où es-tu? Tu es là, Bigaro 66. Bah écoute, Bigaro 66, je te fais le plaisir d'arriver. Hop, tu dégages gentiment. Non, tu dégages, genre tu pars en fait, et tu reviens pas, voilà, comme ça. C'est simple. Après, tu peux revenir peut-être sur une autre game, mais pas ici, quoi, en fait. Tu pars très loin. Bref, qui nous reste? Il nous reste Voltigeur 2010, donc d'après son pseudo... Ah bah il nous a dit sale merde, enfin peut-être pas pour nous. Ah non d'accord, bah Voltigeur a été tué par le vide, donc du coup Voltigeur a voltigé, voilà, c'était ma blague du mercredi soir, voilà, qu'est-ce qu'on s'amuse ici. Au concert d'humour de Léo The Luck, voilà, concert d'humour, c'est très très original. Bref, bonjour monsieur, où es-tu? Wow, j'avais peut-être pas prévu qu'il serait aussi près. C'est un petit peu très très proche là. Alors attends, ce que je te propose, c'est qu'on recule un petit peu, qu'on revienne en arrière. Et voilà, c'était plus simple comme ça. Je pense que les gens ont préféré. Bref, on se retrouve peut-être pour une dernière game. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et les gens, on se retrouve donc pour la troisième game. Je suis un petit peu en train de regretter mon choix d'avoir fait une troisième game parce que je viens de réfléchir, j'ai le montage après à faire, donc ça va me prendre bien du temps encore. Du coup, tant que j'aurais pu passer à réviser, mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Je trouverai bien un moyen pour faire ça. J'ai un talent pour me sortir des situations assez in extremis, disons. De temps en temps, j'ai réussi à aller quand même dans des situations où j'étais un peu cuit au niveau du temps, et pourtant tout va bien, je suis encore là et tout, c'est tranquille. Mais bref, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va bien pouvoir aller là. Pourquoi j'ai dit beaucoup de fois bien? Je ne sais pas, mais on va dire que c'est très très bien de dire beaucoup de fois bien, parce que ça veut dire qu'on se porte bien mentalement, et ça c'est très très bien. Bref, monsieur Bidule, j'ai pas envie de plus renoncer ton pseudo parce que je l'ai pas vu en fait. Merci pour ton stuff, grande contribution à ma personne, c'est sympa, j'apprécie. On prend la popo de speed, on se la claque et on speedrun. Alors j'entends presque pas les sons, je pense que j'ai dû les diminuer à fond parce que pendant que je règle le skyblock, en fait t'as toutes les vaches qui se ramènent, qui me font moumou truc. Alors là je suis désolé pour le clean-up. Oh, par contre ouais, toi tu vas pas clean-up mon clean-up, ça se ferait pas. Ce serait du clean-up section et ce serait pas très très cool. Du coup tu dégages gentiment, je me claque quelques popos de heal. Et puis c'est terminé. Non, c'est pas terminé, puisqu'il y a l'autre gentil monsieur qui va se ramener, qui va gentiment mourir. Et puis on a déjà gagné la partie. Mais c'est dingue, c'est fou dingue. En fait, c'est vachement facile, Funcraft. Bref, si vous voulez venir, vous avez l'IP en description, c'est toujours sympa. Et puis moi, du coup, bah, je vous dis à très bientôt les gens. C'était Léo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis. Ciao ciao. Et rip aussi hein, parce que je le DST quoi. Oh.